Vous entendez la grande chorale de la HMBC, the Haitian Missionary Baptist Church, ou encore l'église missionnaire de Pembroke, située à Miramar, en Floride, église dirigée par le révérend Henri-Claude Moïse. Bien-aimés du Seigneur, que la paix et la grâce soient avec vous. Nous comptons pour nous rentrer la caillou dans un moment assez spécial, un moment côté nous pral plonger dans la parole de Dieu, et Jean, nous t'ai fait promesse, nous pral accompli une promesse que nous t'ai fait pour tremper dans mon à travers des cantiques, des hymnes. Et tout simplement pour nous faire ça, nous pral utiliser la belle chorale, la grande chorale de l'église missionnaire de Pembroke. Ouvrez Bibou avec moi dans Jean chapitre 14, n'appli trois premiers versets yo. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans la version créole, là, nous lit, Jésus dit, yo, pas quitter bagay sa yo, tourmentez nous. Mettez confiance nous dans bon Dieu, mettez confiance nous dans moins tout. La caille papa, gen en pile côté pour moun rete. Mon pral pare place pour nous. Si c'est pas vrai, moi pas t'a dit nous ça. Les ma fine paraît place là pour nous, ma tourne vient chercher nous. Comme ça, côté maïa, c'est là naïe tout. Bien-aimé du Seigneur, ami de la foi, moi content à soyer encore une fois pour moi partager le message de la parole de Dieu avec vous. Un temps de méditation dans sa parole. Yon temps côté n'a quitté le Seigneur instruit nous. Et à soya, nous pral méditer sous passage ça, tout au moins si on partit la donne qu'on connaît très bien. Pas quitter bagay sa yo troublé nous. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et à soyons n'a retenu comme parole de méditation, pas quitter que nous troubler. Pas quitter que nous troubler. Bien-aimé, gain en pile raison. Gain en pile bagaille qui ka porté nous à troubler. Pas besoin énumérer une liste, nan vie personnelle nous. Vie de famille, nan vie communauté nous. Côté n'a vive, nan nouvelle yo, nous tendez. Et ça qui affecte nous dans la vie de tous les jours, c'est en pile raison qui peut apporter nous à troubler. Gain un bagage qui passe autour de nous, gain un bagage nous attendait, nous disait nous, mais nous pas de jambes qu'on attendait bagage ça y est avant. C'est vrai, nous vivons dans un temps de médias, côté circulation, information au fait. T'as envie de dire à la vitesse de la lumière. Information yo circule en pile et yo pas toujours de bonnes informations. Et le nous fixé sous bagaille qui a passé autour de nous, nous gagne en pile raison pour que nous t'a troublé. Eh bien, je vous dis, hein, la parole de Dieu voulait adresser question ça. Et nous pas loin dans le contexte Jésus a parlé à disciples yo bien-aimés. C'est un contexte qui te permet que yo te porté vers le doute, vers trouble. Jésus, dans le contexte ça, dit dans le dernier moment, ces dernières fois, il pral passé, et ça nous relait, moment de Pâques avec Discipio. Et dans le moment ça, il pral fait Discipio en pile révélation. Il pral expliquer yo ça qui vient pour arriver. L'on applique texte ça, où t'as dû commencer, l'île, à partir de chapitre 13, là, pour t'as comprendre qui contexte qui gagnait,
qui portait Seigneur en dit disciples yo, pour pas quitter cœur troublé. D'abord dans chapitre 13 l'an bien-aimé, Jésus fait disciples yo une série de confidences. Li apprend yo une série de bagailles que yo pas connaît. Dans chapitre ça nous ouais par exemple, Jésus dit disciples yo que gagne youn nan yo qui pral trahir. Nous qu'a seulement essayer imaginer qui qualité choc ça fait sous disciples que yo même parmi yo 12 lan gen youn qui pral trahir maintenant que yo remet tellement yo pas ta penser parmi yo gen yon trait. Cependant c'est exactement ça Jésus pral apprendre yo effet de choc lan li poko même fin atténuer que Jésus pral apprendre yo yon l'autre bagay. Le Pierre dit Jésus que même si tout le monde t'a abandonné ou tout le monde t'a trahi ou moi-même moi pas jamais trahi ou m'a bay la vie pour ou. Dans chapitre 13 là au verset 38 nous et Jésus répond Pierre vraiment Pierre ou bay la vie ou pour moi. Mais laissez-moi dire, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. Jésus dit Pierre, c'est vrai Pierre, Robba elle avoue pour moi. Mais quittez-moi dire, en vérité, avant coq l'enchanté, Robba guettant renié trois fois. Deuxième moment de trouble, deuxième moment de choc pour les disciples. Mais yo n'ayons repas avec le Seigneur, yon repas, même Jean, yon te gagné ça 2 années avant. C'est 3e repas de Pâques, le Seigneur a célébré avec yon. Et c'est dans ce moment ça, li a fait yon révélation que li gen pou l'aller, pou l'mourir. Et gen yon nan yon kap trahi. Le Pierre ta vle fait Seigneur connaît que lui-même. Bon Dieu ka compté sous lui. Seigneur ka compté sous lui. Et le Seigneur Jésus pral dit Pierre, que même ou même Pierre, ou pour renier. Nous qu'à seulement imaginer, bien-aimé, l'état de choc pour les disciples de Christ. Moun yo remè en pilant, li pral kite yo. Ki pizè, yon pa mi yo ap trahi. Et même Pierre, Pierre qui te un homme dévoué, Pierre qui pa jambe caché l'en moule ouvertement pour le Seigneur. Même Pierre gen pour renier. C'est en gros contexte général, passage ça, parole ça que nous connaissons très bien. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Disciples apprendre en pile bagaille qui pour troubler yo. Et le Seigneur pral conforter yo, réconforter yo. Le Seigneur pral dit yo, mais qui ça pour nous fait? Pas quitter cœur non troublé. Croyez en bon Dieu. Et croyez en moi. Premier bagage, bien aimé, m'ta remé à tirer attention sous lit, dans un temps de méditation, ça, c'est que le Seigneur l'hypoté à disciples yon parole de réconfort. Yon parole de réconfort, l'imant des disciples pour yon pas quitter cœur yon troublé. Cependant, l'y indiqué yon comment pour yon fait ça. C'est pour yon croyez en bon Dieu. C'est pour yon croire dans lui-même qui fait youn ak bon Dieu papa. Premier bagay m'ta remè donc attirer attention sou li a soya. Pour vivre yon vie de paix. Pour vivre yon vie de sérénité dans yon monde troublé. Premier élément besoin croire dans bon Dieu. Croire dans bon Dieu. Dédou l'homme t'a introduit moment ça bien-aimé. Autour de nous, gen pile bagay ka passé. Gen pile bagay ki ka porté nous troublé. C'est peut-être maladie qui gagnait autour de nous, soit dans famille nous, soit nous-mêmes personnellement qui confronté à toutes sortes de maladies. C'est peut-être nouvelle k'ap vinn joindre nous par rapport à mauvais temps k'ap frappé moun. Ces gens monde lan li pa gagnait ancrage encore ou gagnait pression. Bagayo, yo pralé de mal en pire. Eh bien, la parole de Dieu voulait parler avec moi-même et vous-même, soyons, pour le dire, nous pas quitter que nous troublés.
qui ça pour nous faire? Croyez en bon Dieu. Croyez en bon Dieu. Et croyez en moi, dit Jésus. Un principe fondamental, le monde à vivre, bien-aimé, pour les marcher de ce côté de l'éternité, les besoins gagnent un côté l'y appuyer. Les besoins gagnent un abri, un rempart, une forteresse. Si moi dois utiliser le langage David t'a utilisé dans le psaume 91. Pour vivre dans le monde là, pour vivre de ce côté de l'éternité, en paix, pour qu'on ait sa yorele sérénité, pour qu'on ait sa yorele calme au beau milieu des tempêtes de ce monde, ou besoin apprendre croire en bon Dieu, croire en bon Dieu, croyant sous celui qui encourage ou croyant sous nos bon Dieu, c'est lui qui repère. Bien-aimé, qui t'aime douler avec toute sincérité. Monde lent, la connaît de tournure qui prend de plus en plus difficile. Bagayo pas nécessairement vin pi bon. Oh, ça est là ou ka gen on pis aller. Ou ka gen yon souffle. Mais de façon générale, bagayo c'est pas bon, y a vin pi bon. Qui ça pour faire l'eau traversée de moments troublés? Qui ça pour faire les gros de l'eau, vent, l'âme, v'lé atteint nous? Croyez en bon Dieu. Croyez en bon Dieu. Moi-même, personnellement, moi, j'aimerais rappeler tête moins bien aimé. Chaque monde, bon Dieu, relé. Bon Dieu gagne une provision spéciale li fait pour la vie. Yo. Et tempête yo dans la vie nos bien-aimés. Moment de trouble yo. Yo là pour yo ancrer nous davantage, si du moins nous accrocher nous à croyance nous dans bon Dieu. Moment trouble yo vini et raison d'être yo c'est que yo rapprocher nous davantage de maître là. Croyez en bon Dieu. Croyez en bon Dieu. Et puisque Jésus était avec disciples, il était wali physiquement, il était joué rôle consolateur pour yo. Il dit yo, croyez en moi. Croyez en bon Dieu, croyez en moi. Ça m'a dit nous yo, ça nous wem fait yo. Yo pas vini de moi-même. Moi-même avec papa nous fait yo. Jean nous croit dans bon Dieu, à nous mettre croit dans moi. Pas quitter que nous troubler. Et le Seigneur Jésus, il pral instruit au deuxième moment. Il pral instruit au comment pour yo naviguer les eaux troubles de cette vie bien-aimée. Il pral expliquer yo qui ça pour yo fait. Le yo fait face à situation côté yo gain impression. Bagay yo pralé dans une mauvaise direction. Ça t'a porté yo à troubler, ça t'a porté yo à tête chargée. Li pral expliquer yo qui attitude pour yo gagner et me remet pas ça et ça. Premier élément, li fin di yo croyez dans bon Dieu, croyez dans moi. Et verset 2, le Seigneur continuait pour l'instruire disciple, li di yo, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Mbataremo raté ça, bien-aimé. Premier bagay, bon Dieu, Christ fait, le li fin di yo, pou yo kwen nan li, li changé état d'esprit, yon. Li tap pale yo de bagay kap passe sous te yon. Li te commencé à expliquer yo sa ki pral rive, comment le pral mouri. Comment Judas gagne pour trahir? Comment Pierre gagne pour renier? Tout ça, c'est bagaille qui gagne à ouais, à sa cap passé dans la ville ici-bas. Et l'ipral changer regard disciple, l'ipral changer perspective yo, sous bagaille yo. Qui ça lui fait, bien-aimé? Il commençait par les yo des choses d'en haut. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. M'bataremé encore une fois ou raté ça. L'aura fait face à situation de trouble.
Lors d'une situation où gain impression pas gain issue, eh bien li bon de temps en temps bien-aimé pour admirer, li bon de temps en temps pour méditer sur les choses d'en haut. Le Seigneur Jésus li changé état d'esprit disciple. Il dit yo, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Ou gain impression gon changement un peu brutal de perspective qui fait pas quitter bagay sa yo troublé nous. On nous parler de bagay spirituel. On nous parler de bagay qui gagne valeur éternelle. Bon dit nous qui qualité bagay qui rete ap tann nous. Nous pas moun kap naviguer sous route ça. Dans chemin ça sans boussole. Nous c'est moun qui gagne sous tête nous yon appel. Nous gagne yon destinée. Qui t'aime parler nous de destinée nous. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Son appel le Seigneur Jésus a fait disciple pour contempler les choses à venir. Pour pas laisser bagay jodi en que yo pas comprendre. Pour te yo aller. Le Seigneur, mes bien-aimés, li changer perspective disciple te ka gagner sous la vie yo. Monde ça nous voyant, c'est pas seul ça qui existait. Pas laisser nous prendre en piège pour nous penser la vie nous li lié seulement à bagay ici-bas. Contempler bagay qui gen pour vini yo. Contempler sa Christ Alpha. L'al préparer en place. Pour qui est-ce? Pour moi-même avec ou? Et non place l'al préparer en moi-même genre, le Seigneur encore une fois li insisté pour l'instruire disciple, l'el dit yo. Plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Gain provision pour nous toutes bien-aimés qui marcher avec le Seigneur. Bon Dieu gain plan sous la vie nous chaque qui fait la paix avec lui au travers le sang au travers du sang de Christ. Plusieurs demeurent dans la maison de mon père. Donc le Seigneur voulait amener disciples à contempler les choses à venir. C'est un deuxième principe pour faire face à situation la vie. Pas quitter bagay ici-bas maintenant faut perdre perspective sous bagay qui gen pour venir. Pas quitter bagay ici-bas et maintenant faut oublier provision qui déjà faite pour vous dans le futur. Bon Dieu fait provision déjà bien-aimé. Et place là le préparant, c'est pour moi-même avec vous. En réalité, c'est une des bagailles qui réjouit cœur. Des fois, qu'on a posé tête moins question, c'est sur ça qu'a passé autour de moi. Pas toujours une réponse. Seulement, moi prends la parole du Seigneur au mot. Gagne un plan qui établi. Là, le préparer pour moi une place. Moi fait partie de plan li. Moi peut-être pas connais ça qu'a passé dans vie m'kounia. Moi peut-être pas connais comment situation ça moi là dans non m'a sorti la donne. Moi connais yon bagay cependant. Bon Dieu gagne yon plan. Bon Dieu gagne yon plan. Le moi connais que bon Dieu gagne yon plan, li apaiser l'esprit. Le moi connais que bon Dieu gagne yon plan, li fait objet de trouble moyen, li vine paraître insignifiant. Moi pas yon moun qui livré au hasard ça qu'a passé dans la vie bien-aimé li pas produit chance c'est pas chance c'est pas malchance c'est pas malédiction parce que Dieu a un plan pour ma vie et parce que me fait partie de plan li moi gain assurance que l'a conduit plan jusqu'au bout
et moi-même dans plan m'a pralé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Le Seigneur Jésus a dit disciple, c'est vrai, moi saute informé nous de bagaille triste qui qu'arrivait, qui pral rivé. C'est vrai, moi dit nous yo gagne pour crucifier, moi pas plat avec nous encore. Mais pas quitter bagaille ça au troubler nous. Moi gagne un plan, nous mettre croire dans moi. Croire dans bon Dieu, moi gagne un plan. Moi pralé, moi pral préparer une place pour nous. Et dans verset 3, il continue pour le dire. Le moins aller, moi fin préparer place en ma pour retourner. Et le mot tourner qui ça m'a fait m'a prend nous avec moi. De telle sorte que côté mien, c'est là n'a pied tout. Par contre souhait étape qui gagne dans plan m'a palo la bien-aimé. Première étape, moi praler. Le m'aller, on pral préparer une place pour nous. D'abord faut m'aller, ensuite on pral préparer place et enfin m'a retourner vinn chercher nous. Et ça m'a pas t'aimé bien-aimé nous rater. Je reviendrai. Bah qu'on est pour vous personnellement, mais moi-même ça c'est un mot de réconfort lié pour moi. Le Seigneur dit l'aller, mais là pour retourner. Et retour sa bien-aimée, il simplement fait allusion à l'enlèvement de l'Église. Gonle le Seigneur gagne pour le venir prendre nous avec lui. Et quitte m'expliquer en réalité que moment ça, c'est moment qui toute source espérance nous. C'est moment ça qui permet moi-même avec au bien-aimé au beau milieu de souffrance, nous cap pousser un ouf de soulagement. Parce que pas grand rien qui a passé, qui passait par hasard, gagne un temps qui a pas accompli. Et parce que moi fais partie de monde crucio, moi connais non temps qui a pas accompli, il fait partie de plan de Dieu. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Oh, m'pa konn combien fois, bien-aimé, l'on en situation pour ta gen tendance, au lieu de laisser ou calculer sous situation, au lieu de laisser que tout penseau porté vers détail bagay qui insupportable ou vivant, au lieu de rentrer, bien-aimé, tête à tête baissée, pour ta garder qualité mal ou vivant, moi invite-toi à contempler la gloire à venir. Moi invite-toi à contempler le plan de Dieu pour ses enfants. Plan, c'est pour oublier tout. Le Seigneur, il dit disciple, on peut aller, mais m'a retourner. C'est un bagage qui apparaît tout lointain. Mais ça me voulait attirer attention sous lui, c'est que ou nan yon plan, ou fait partie de yon plan. Pas vivre comme sou se yon moun qui te lagué, qui pas de gemet. Croyez dans bon Dieu. Croyez dans le Seigneur Jésus. Il a un plan. Je reviendrai, nous dit-il. Et ce retour de Jésus-Christ, encore une fois bien-aimé, c'est retour ça l'Église attend. Retour côté l'Olvini, la prend l'Église avec lui. L'Ipoko a établi règne millénaire lui. L'Olvini prend l'Église, la vine prend l'Église et l'Église prend le participer dans les noces de l'agneau. C'est le grand enlèvement. Le grand enlèvement. Et toute bagaille qui a passé dans mon Dieu, yo approcher nous davantage de ce moment bien-aimé qui qu'a fait à n'importe qui l'heure, qui est arrivé à n'importe qui moment. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi. Est-ce qu'on croit parole maintenant? Est-ce qu'on croit que non
ça ou lié là, gen yon plan qui établi pour ou. Disciple yo pa te ka comprendre ça. Disciple yo pa te ka comprendre comment le Messie qui te doit délivrer yo de la servitude des étrangers, yo te en bas domination. Le Messie qui t'a vin établi le royaume de Dieu sur terre, comment il fait pral mourir? Yo pa te ka comprendre ça. Yo pas de cas comprendre comment parmi les disciples de Christ t'es gagné youn qui t'est trahi, qui t'a pral trahi. Yo pas de cas comprendre ni. Que yo t'es troublé. Yo gagne impression plan yo t'es pensé qui établi en plan bien-aimé, li complètement yon plan qui pralait vers droit vers le mur. Yon plan qui pas réussi parce que yo t'es pensé que Jésus vini pour l'établir royaume, non, la même. Mais Jésus pour le dire, c'est pas comme ça, planté, établi. Certainement, il y a un plan. Et il détaille le pour yo. Moi, pour aller, moi, pour préparer nous d'abord une place. Alors, faut me dire, bien aimé, Jésus a parlé à disciples, yon langage que yo même, yo t'a comprendre très bien. Dans la tradition juive de l'époque, les yon papa, yon petit, petit l'an a marié. Tradition, c'est que demeure papa, côté papa arrêté Kaili, li augmenté, li construit plusieurs l'autre chambre Kaï, ou bien le construit Kaï pour Timoun arrêté avec lui dans le demeure, dans la demeure paternelle. Discipio, c'est un concept, yo comprendre très bien, puisque tradition, c'est qu'on s'allie. Le jeune homme n'a marié, il pas allé ton l'autre côté là le marié, il rété avec papa. Il prend madame non, madame ni sous le toit de son père que papa préparé pour mariage là. Donc le Jésus dit disciple, moi pour aller me pral préparer une place pour nous. Yo comprendre ni très bien. C'est un bagage qui reflète tradition yo t'a vivre. Le père qui prépare une demeure pour son enfant. Et Jésus expliquait au que la pour retourner vienne prendre yo. Mais tout ça parce que Jésus les fait yo sauti dans situation présente là. Il voulait fait yo changer perspective sous la vie yo. Il voulait fait yo comprendre ça n'a vivre là. Ça m'expose avec nous là, c'est pas seulement ça qui gagne. Pas tomber dans piège pour nous focus tellement sur le monde ça, sur situation ça aujourd'hui, hein, pour nous oublier gagne un plan qui établi et que ça nous est cap passer là, il fait partie de plan. En d'autres termes, moi-même qui pourrais aller à la croix, c'est pas un accident. Jésus a dit disciple, aller à la croix, c'est pas un accident. Il fait partie de yon plan. Pierre qui a renié Jésus fait partie de yon plan. Parce que il pas sorti dans grâce bon Dieu. Moi-même avec nous gain en pile bagaille pour nous apprendre bien-aimé de passage ça. La vie moi, la vie où c'est un bagage que bon Dieu, il fait. C'est un bagage calculé. C'est un plan établi. Quoi dans bon Dieu? Quoi dans bon Dieu? Dans quelle que soit situation à traverser, quoi dans bon Dieu? Bon Dieu gagne un plan. Bon Dieu gagne un plan pour la vie ou. Moi t'as rien tout simplement bien-aimé. Prends ton ça pour me rappeler ou que la vie pas yon hasard ni yon accident. Bon Dieu a conduit ou. Pas quitter corps troublé. Crois en bon Dieu. Crois en moi, dit le Seigneur Jésus. Pendant à méditer sous parole ça, nous t'aimerais partager avec vous
deux belles sélections de la chorale de HMBC. C'était en surprise, m'te vle faire ou. M'espérons t'es arrêté jusqu'à la fin. Si c'est le cas, on pourra jouer de belles sélections, ça. De morceaux de chorale, ça. De l'église missionnaire de Pembroke, dirigée par le révérend Henri-Claude Moïse. Et chorale, ça, c'est serviteur maestro Adrien qui a dirigé le café, un bel travail. Et m'a placé au tout simplement pendant un temps pour savourer bel morceau, ça. Pendant, wap, réfléchir et méditer. Sous parole, ça nous se partager avec vous. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parole de Jésus. Parole, ça c'est pour moi. Parole, ça c'est pour vous. Pas quitter corps troublé. Croyez en bon Dieu.
Je te veux encourager, bien-aimé, sous parole, ça y est. Le Seigneur a un plan, pas quitter corps troublé. Contempler les choses d'en haut, au beau milieu de ça où y est, hein. Ça pas v'lait dire ou pas conscient de réalité, oh. Mais ça v'lait dire ou fixer attention sous bagaille qui éternel, yo. Croyez dans bon Dieu, croyez dans le Seigneur Jésus. Il a un plan. Non, ça, moi-même avec ou pas comprendre, non. Non, ça, moi-même avec ou pas qu'à expliquer, hein. Le Seigneur a un plan. Pas quitter corps troublé. Croyez dans bon Dieu. Croyez dans le Seigneur Jésus. Amen. Amen.
yeah.